Dans 10 minutes, cette pièce explosera. Oh, la vidéo de taré! Et toi, t'es sur ma chaîne secondaire, alors n'hésite pas à t'abonner et surtout, n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne YouTube principale, Quentin GRD. Je fais des concepts de zinzin, tu vas kiffer ta race. Bonne vidéo! Voilà, je viens de lancer ce chrono de 10 minutes et quand il sera à zéro, cette pièce pleine d'argent... Mais wesh, mais il a construit un building pour une vidéo YouTube. Vous rendez compte? Qui se trouve là-bas explosera. Le seul homme qui puisse empêcher ça, c'est cet homme dans cette camisole de force. Cette vidéo est entièrement tournée en temps réel. Vous remarquerez qu'elle dure exactement 10 minutes. Oh mais c'est incroyable. Et si Darcy ne réussit pas à se libérer de sa camisole de force et à franchir les 5 étages pour venir appuyer sur ce bouton avant la fin du chrono, son argent explosera. Oh le suspense de taré. Je dois me dépêcher. Mais c'est dinguerie! Mais ça a jamais été fait sur YouTube, ça! Un tournage d'une vidéo en direct avec zéro cut! Non mais MrBeast, je sais même pas comment il va faire pour faire encore plus fort à chaque vidéo YouTube, c'est une dinguerie! Pronostic, je pense qu'il va perdre! Franchement, ça a l'air d'être impossible de tout finir! Surtout en 10 minutes! Allez, on ferme ça! Comment il a fait pour enlever sa camisole aussi vite? C'est trop stylé! Oh. Oh, ça va être un guerrier, le gars! Wow. Hey, doucement, doucement, doucement! Oh la vache! T'as osé enflammer la pièce! Ok, bon, pour sortir de cette cage métallique, tu dois te servir de ce crochet par terre. Dépêche-toi. Plus vite. Darcy, allez, vite. Allez, ouvre-toi. Oh là là, allez, dépêche-toi. Non, mais c'est trop stylé, j'adore. Crocheter une serrure demande un peu d'adresse. Il faut aligner parfaitement les trois goupilles à l'intérieur de la serrure pour pouvoir sortir. Mais au fait, pour vous prouver que la vidéo est bien tournée en temps réel, à partir de maintenant, vous verrez l'image de Darcy en direct et en permanence en bas à droite de l'écran. Et pour le moment... Oh, mais c'est trop stylé. Il est toujours dans la première pièce. Et souvenez-vous qu'il doit descendre les 5 étages de cette tour et aller appuyer sur le bouton à temps. Le bouton est juste là. Pour empêcher son quart de million de dollars. Non, mais c'est tellement bien fait. Le concept de fou. Attends, Mark, il enlève le cadenas. Est-ce qu'il est dans les temps ou pas? Bah pour l'instant oui, mais il va arriver dans une pièce encore plus difficile à franchir. Ça aurait été moi, j'aurais même pas réussi à me décrocher à la première étape où il était baïonné comme ça. Jamais. Là je pense qu'ils ont pris quelqu'un de très entraîné. Mais par contre, premier degré, s'il réussit à finir toutes les étapes en moins de 10 minutes, il mérite les 250 000 dollars. Hein. Touche pas les flammes. Darcy, allez. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez. Il descend. Oh mon dieu, il a pas peur. Il arrive à la salle collante maintenant. Bienvenue au quatrième étage. Allez, vas-y. Il a déjà franchi la première pièce. C'est le quatrième étage. Bon. Le sol de toute cette pièce est recouvert de glu. Il reste 8 minutes 20. Se suspendre comme un singe ou marcher sur la colle. Et personnellement, je lui conseillerais vivement de pas marcher sur la glu. Oh, mais c'est sur la glu, il est foutu, hein. Allez, Darcy, lâche pas. 2 minutes viennent de s'écouler. Ouais, reste bien concentré. Oh non. Pourquoi est-ce que tu tournes? Arrête de tourner. Ah, il est dans la merde là. C'est pas bien. Parce que c'est la glu la plus collante du monde entier. Je rigole pas, tes chaussures seraient foutues. Oh ouais. Voilà, ça y est, ça fait 2 minutes. Imagine, il tombe, il met les mains par terre. Oh, il est mort. Il a perdu, c'est sûr. Il a pas touché le sol une seule fois. Darcy a échappé à la glu. Mais il est trop fort, le gars. Mais c'est un surhomme. Il est en train de soulever cette trappe pour accéder à l'étage inférieur. Il va entrer dans la pièce la plus dingue. Il reste 7 minutes 40. Vous allez le voir sauter. Oh là 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 là. Oh les gars, je suis épuisé. Normal. Darcy a un peu il a fait ce que j'aurais fait en une semaine. Il réussit enfin à descendre à la corde pour accéder à la troisième pièce, la salle de l'énorme rocher. Ça devrait être assez simple. Ouais. Eh Darcy, écoute. Tu vois cet énorme rocher? Ouais, mais wesh, bon, mais c'est Indiana Jones le bordel. Ce rocher de glisser le long de la pente. Il y a aussi une machette et disons que tu vas en avoir besoin pour sortir de cette pièce. Tu perds du temps, qu'est-ce que tu penses faire avec cette machette? Je vais couper ses cordes. Coupe la corde, t'as plus beaucoup de temps. En général dans nos vidéos, quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il est trop lent, on coupe. Sauf que là c'est du direct, donc on peut littéralement pas couper, donc j'ai la trouille. Il reste plus il a presque tranché la première ligne de corde. J'ai l'impression d'être dans l'univers de James Bond. Au fur et à mesure, les étages vont devenir de plus en plus de temps. En fait, très tout de suite, on aimerait tous qu'il aille plus vite. Cette corde va lui faire prendre plus de temps à cause de son épaisseur. Coupe cette corde. Oh mec, il perd beaucoup trop de temps là-dessus. Il commence à être à la traîne. 6 minutes 50. Il va falloir que tu te dépêches. Non mais tout ce qu'il a fait en 3 minutes, c'est une dinguerie. 250 000 dollars exploseront. Oh. Il est toujours en train de couper. Non mais le suspense est incroyable. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Jimmy? Quand il aura coupé cette deuxième corde, un truc de dingue va se produire. Eh Darcy. Ouais. D'après toi, qu'est-ce qui se passera quand t'auras coupé la corde? Bah la boule, elle va tomber, hein. Bon, j'imagine. Il en a rien à foutre. Jimmy, qu'est-ce qui se passera quand la corde sera coupée? J'imagine que ce rocher va rouler et passera par la fenêtre. Et dis-le-moi. Tout ce que t'as à faire, c'est de te tenir là quand la corde sera coupée. Ok, bon, ça, je peux le faire. Il est hors de question que je perde ces 250 000 dollars à cause de cette corde stupide. Jimmy, pourquoi est-ce que t'es allé chercher le mec le plus lent du monde? Darcy, allez, dépêche-toi. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est du direct, vous allez voir absolument tout. Évidemment, Darcy est très occupé en ce moment. Mais s'il pouvait nous parler, il nous dirait sûrement qu'il est le roi de l'évasion de classe mondiale. Mais apparemment, couper les cordes, c'est pas son point fort. Darcy, t'as perdu. Oh là, c'est une dingue. Oh, ah, il a ça, il perd énormément de temps dessus là. Hein. Oh, il a passé, ça fait déjà plus d'une minute qu'il est sur l'épreuve. Oh là là, c'est
c'est pas vrai. Vas-y, tu peux le faire. Sectionner la dernière corde. On doit pousser le rocher dans la rampe maintenant. Ok, donc le rocher va le voir tout de suite. Non mais les épreuves de zinzin. Accroche-toi. Qu'est-ce que recule. Non mais c'est. Oh l'entertainment. Au niveau de ta ceinture. Ça c'est ce qu'on appelle du divertissement les amis. Elle est bien fixée surtout. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Très bien, maintenant descends, mets-toi au bord et tourne-toi. Du coup il va descendre en rappel. Est-ce que je vais devoir sauter Jimmy? Oh mon dieu, il est sur le point de sauter. Décale-toi sur ta droite. Qu'est-ce qu'il va faire? Vas-y. Mais c'est un fou. Bon Darcy, il faut que tu sautes pour aller en bas. Oh mon dieu. Non mais il faut avoir peur de rien pour participer à ça. Darcy, allez saute. Oh la dinguerie! Mais c'est pas possible! Il lui a exactement 5 minutes! Arrête la grue! Arrête non mais on grue. Dirait un film, arrête en direct! C'est une dinguerie! Moi je sais pas ce qui se passe, le grutier est bourré! Tu dois passer à travers les lasers! Cet étage est de loin le plus difficile à franchir depuis le début de cette aventure. Non seulement il doit traverser ce labyrinthe laser, mais s'il touche accidentellement un laser, ses 250 000 dollars exploseront instantanément. Oh. Comment je vais faire? Il a déjà franchi la moitié des lasers! Oh, il s'approche de nous! Allez, allez! D'accord. Oh là là. Laisse-moi juste reprendre mon souffle. Alors connectez-vous sur t-mobile.com/statut. Oh là là, vas-y, vas-y. Donne tout, mec. On y est, voilà le dernier niveau. Oh, c'est l'épreuve la plus difficile. Ouvrir les valves qui se trouvent dans chaque coin de la pièce pour permettre à l'eau de s'évacuer. Il y a 3 minutes 40 pour le réussir. Tirer le hublot à l'avant et courir appuyer sur ce bouton pour sauver ses billets. Tu dois tourner ces trucs. Tourner ces trucs. Tourne. Ouvre les robinets. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, ne l'aidez pas. Voyons s'il est assez intelligent pour gagner le pactole. Ah bah oui, comme ça au moins il garde sa thune, hein. Eh, le rat discret mais intelligent. Où sera-t-il à court de temps? Est-ce que l'eau est sortie? Mais wesh. Il a raison. Il retourne vers la valve qu'il vient d'ouvrir. Eh non, 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 non. Va ouvrir l'autre, va ouvrir l'autre. Faut que tu continues. Il y a 4 valves, combien de temps il reste? Il reste 3 minutes. Oh, 3 minutes. Oh là 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 là, le suspense. Il peut y arriver s'il se dépêche un peu. Allez, reprends ton souffle, vas-y. Mac, il est sur le point de plonger, va de ce côté-là, regarde. Oh, la pression qu'il doit avoir, le type. Il est à deux doigts de gagner 250 000 dollars. Encore ouvert. Continue de tourner la valve. Il reste 2 minutes 30. Va de l'autre côté. 2 minutes prendre pour ouvrir deux valves, sortir. Il en a ouvert deux, il en reste encore deux. Bon, il va maintenant. Va-t-il réussir? Aïe, aïe. Incroyable. Alors là, ça va vraiment jouer sur le fil. Je ne peux qu'imaginer à quel point Darcy doit être complètement épuisé à ce stade de l'aventure. Oh. Bon, non mais alors mec, il ne lui reste que tout ce qu'il a fait en 7 minutes, c'est aberrant. Sur ce gros bouton rouge où son argent explosera, ça va jouer sur le fil. Oh, j'espère qu'il va pas exploser. Pas plus qu'une valve. Normalement, on fait plus qu'une valve. Et les montages, mais là, on est en live. Tout il reste 2 minutes. 2 minutes. Oh, il reste moins de 2 minutes. Il te reste moins de 2 minutes. Tu dois accélérer. Il se rapproche, c'est bientôt terminé. Vas-y, mec. Premier degré, je suis en stress pour lui. J'ai envie qu'il y arrive. Ok, il reste encore la dernière porte et 1 minute 50 et secondes. Maintenant il doit ouvrir le hublot et presser le bouton. Combien de temps il lui reste? Un peu moins de 2 minutes. C'est tellement bien fait la vidéo, j'adore. Vas-y, tu peux le faire, mec. Attends, Mac, tu vas être mouillé si tu restes là, recule. Pourquoi? Allez, ouvre. Mais... Il y a encore tellement de Ah ouais, c'est galère, hein. Max, s'il échoue, la bombe va exploser. Alors je voudrais que t'ailles te cacher derrière les sacs. 1 minute 20. Au cas où il raterait la mission, ok? Ok. Fais-moi confiance. 1 minute 20. Il faut que tu dévises tous les loquets. Sortez-le de là, allez. Il reste plus qu'une minute, allez, allez, dépêche-toi. Karl, je suis plus si sûr qu'il va y arriver. Le hublot est coincé parce que la pression est encore trop forte. Enfin, jusqu'à la dernière seconde. Regarde, Jimmy, l'eau commence à sortir par le hublot. Allez, ouvre. Oui, oui, oui. Il reste 58 secondes. 50 secondes. Là, il est bloqué, il y arrivera pas. Il y a un truc qui va pas. C'est trop tard, il va échouer là. Il comprend pas comment l'ouvrir. Wow, il a littéralement 45 secondes pour venir appuyer sur le bouton. C'est bloqué. Allez, mec, il arrive pas à ouvrir, c'est bloqué pour sauver sa vie. Oh mec. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y arrive. Allez, vas-y. Allez, viens, 30 secondes. 30 secondes, allez vite. Dépêche-toi. Laisse-toi glisser à travers le hublot et va appuyer sur le bouton. Plus vite. Vas-y. Allez. Oh, allez, 20 secondes. Il reste 20 secondes. Oh là 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 là, le héros. Pour gagner alors qu'il ne restait que 19 secondes au chrono, on a mis les billets à l'abri et on lui a demandé ce qu'il comptait en faire. Et bah comme je vais bientôt mais il est trop fort. Et on a fait exploser le bâtiment. Non mais tout pour le divertissement, ça me fume. Fait exactement
dans 10 minutes, salut. Mais wesh, mais c'est quoi cette vidéo de taré? Non mais j'ai jamais vu une vidéo aussi divertissante en 10 minutes. Le gars, il a construit un building pour une vidéo de 10 minutes. Il a tourné la vidéo en direct live avec aucun cut, ce qui je crois n'a jamais été fait sur YouTube aussi. Et en plus, il a réussi à ramener un guerrier warrior qui a réussi à tout niquer les niveaux. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, je pense que c'est les 10 minutes les plus divertissantes que j'ai vues de ma vie sur YouTube. Et vous, dites-le moi en commentaire si c'est le cas aussi, parce que vraiment, c'était incroyable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer toutes les notifications et surtout aller voir ma chaîne YouTube principale, Quentin JRD. Je fais des concepts peut-être comme MrBeast. Bon, en tout cas, on va essayer d'y arriver comme lui. Donc allez voir ça et me donner votre avis, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!